Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et encore une fois j'ai trouvé pas mal d'articles et comme vous le voyez, il y a de la couleur. Je crois que j'ai jamais porté autant de couleurs que ces derniers mois, genre sur toute ma vie entière. En tout cas, cette fois-ci j'ai trouvé des articles chez Mango et H&M. Comme d'habitude, tous les liens vous seront mis en barre d'informations, donc je vous laisserai aller voir ça. J'ai checké un petit peu les prix, etc. par rapport aux soldes, donc c'est pareil, je vous mettrai tout à jour dans la vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer par ce que j'ai trouvé chez Mango, parce que je crois que c'est là que j'ai trouvé le plus d'articles. Première chose, on a cette très jolie chemise rose qui existe en 4 coloris. Il me semble qu'il y a du blanc, du rouge orangé et du bleu à rayures. En tout cas, là, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était surtout la coupe. On a une coupe un petit peu oversize, elle est assez longue. Bon, là, elle est un petit peu froissée, mais je vous la montrerai défroissée une fois portée. Sinon, en soi, hormis la coupe, elle est assez classique. On a un col chemise, elle est boutonnée sur le devant et on a des manches longues. En vrai, là, c'est surtout la couleur qui est très très jolie. Donc moi celle-ci je l'ai prise en taille S et elle coûte 39,99€. Pour aller avec la chemise j'ai pris ce très joli short, donc c'est dans la même matière, c'est toujours en coton. Pour l'ensemble chemise et short il est disponible seulement en rose et en bleu rayure blanche. Donc là encore une fois c'est un short assez simple, on a une ceinture élastique, il est taille haute, on a deux poches sur les côtés et c'est un tissu vraiment très confortable. Si vous voulez je vous l'ai déjà montré porter sur Instagram si vous avez besoin d'idées de tenue, mais en tout cas celui-ci je l'ai pris en taille XS et il coûte 25,99€. Ensuite j'ai pris un ensemble qui habituellement n'est pas du tout mon style. On va commencer par le bas, donc on a ce très joli pantalon. Donc là c'est une matière très fluide, très légère et surtout très confortable. Tout est élastique et comme vous le voyez on a un très joli motif dans les tons vert, gris bleuté et crème. Je sais pas si à la caméra vous le voyez mais il y a également un peu d'irisé, enfin un petit peu de paillettes un petit peu partout. Franchement je le trouve trop mignon pour l'été. Donc là encore une fois on a une taille élastique, on a des jambes large et dans le bas on retrouve la couleur crème et un petit peu la même découpe que le motif, vous savez un peu en vague. Donc le pantalon je l'ai pris en taille XS et il coûte 49,99€. Et voici le haut, donc pareil on retrouve les mêmes motifs, la même matière, forcément c'est un ensemble. Donc là on a un col rond haut, c'est un top sans manches, on retrouve la même découpe dans le bas. Ça pareil je vous l'ai montré porter sur Instagram, vraiment vous voyez tout en avant sur Instagram, mais avec le pantalon j'aime bien le porter en top court. En tout cas, celui-ci, pareil, je l'ai pris en taille XS et il coûte 25,99€. Bon, vous savez qu'en ce moment, j'aime bien me prendre des tenues en ensemble, donc c'est encore le cas. Donc pour le top, on a cette petite bralette. Donc clairement, là, faut oser le porter à l'extérieur, hein, franchement. Mais du coup, c'est une bralette en jean, enfin en denim, un petit peu. C'est une matière assez épaisse. Ici, on a du vert et dans le bas, on a des rayures blanches. À l'arrière, on a des bretelles fines. En vrai, porter l'ensemble avec une chemise blanche, j'aime beaucoup. Donc voilà, sinon, pour la fermeture, on a des petits crochets comme ça à l'arrière. Là, ça ne tient pas, mais une fois porté, ça ne bouge pas. Donc la bralette, je l'ai prise en taille S et elle coûte 25,99€. Et pour le bas, on a ce pantalon à rayures que j'aime beaucoup. Donc des rayures blanches et vertes. Donc là, c'est un jean taille haute. C'est une coupe droite. Au niveau de la fermeture, c'est une fermeture à boutons. Et ce pantalon, en vrai, en dehors de l'ensemble, je peux très bien le porter facilement avec un top blanc, une chemise, un top court, enfin peu importe en vrai. Et ouais, j'aime beaucoup. Ça fait très vacances. J'aime bien. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille XS et il coûte 49,99€. Ensuite, on a un ensemble que vous aviez beaucoup aimé sur Instagram. C'est celui-ci. En top, on a cette blouse à fleurs qui est vraiment très très jolie encore une fois. On a des manches évasées qui sont 3/4. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est une matière fluide, très confortable à porter encore une fois. On a une coupe oversize et les couleurs et tout, je les trouve trop belles. Vraiment, ça, il y a quelques mois, j'aurais jamais porté. Mais maintenant, j'adore. Donc celle-ci, je l'ai prise en taille XS et elle coûte 29,99€. Pour aller avec, j'ai pris ce short, encore une fois, trop confortable à porter. Une taille élastique, il est taille haute. On a deux petites poches sur les côtés. Et en vrai, il n'y a rien de spécial à dire. C'est un short. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille XS et il coûte 25,99€. Prochain article, clairement, j'aime bien le bleu en ce moment. J'ai pris cette chemise qui est un petit peu la même que la rose. C'est à peu près la même coupe, elle est assez longue, etc. Mais c'est pas les mêmes finitions, on va dire. Il y a des détails sur la rose qu'il n'y a pas sur celle-ci. Mais je suis fan de cette couleur en ce moment, je la trouve trop trop belle. Je ne vais pas m'attarder dessus vu qu'elle est assez simple en soi. Encore une fois, c'est la couleur qui fait tout. Mais je l'ai prise en taille M en sachant que de base, c'est déjà une coupe oversize. Donc voilà, c'est en fonction du rendu que vous souhaitez. Mais oui, taille M et elle coûte 29,99€, mais elle est actuellement en solde à 17,99€. Et pour finir, le dernier article de chez Mango, c'est cette jupe satinée que j'adore. Encore une fois, c'est trop confortable à porter. Je dis tout le temps, mais pour moi, c'est trop important. Donc en soi, elle est assez
assez simple. Au niveau de la longueur, je trouve qu'elle est parfaite. Ici, on a une taille élastique. D'ailleurs, elle existe également en vert et elle est trop trop belle aussi. Donc là, c'est une coupe évasée et en soi, elle est assez simple. Jupe satinée. Là, au niveau de la couleur, c'est un mélange de bleu et de violet. Enfin, c'est trop joli. Donc celle-ci, je l'ai prise en taille XS. Elle coûte 39,99€, mais elle est actuellement en solde à 27,99€. Et maintenant, on passe à ma commande de chez H&M qui est moins colorée, mais quand même. Première chose, on a ce short en lin mélangé qui existe en 6 coloris. Je l'avais également commandé en rose, mais au final, comme j'ai celui de l'ensemble ici, je l'ai renvoyé. J'adore la couleur comme ça, un petit peu grège. Ça fait vraiment la couleur du lin, quoi. On a une taille élastique, deux poches sur les côtés. Ici, c'est une taille haute et on a une coupe assez fluide, un petit peu évasée. Donc là, je l'ai pris en taille S et il coûte 14,99€. Ensuite, j'ai pris ce petit crop top rose assez simple, mais je me suis dit que pour ajouter une petite touche de couleur à une tenue de façon très simple, c'est top. Et en plus de ça, il existe également en vert. Donc là, on est sur une matière côtelée. On a des bretelles larges. Un col carré à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Je l'ai pris en taille XS et il coûte 14,99€. Bon, j'ai dit que c'était moins coloré, mais au final, pas tant que ça. J'ai pris cette robe satinée courte qui est trop jolie aussi. Lisa, si c'était moche, tu l'aurais pas pris. Donc celle-ci existe également en orange et en noir. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est une matière satinée. On a un col en V à l'avant et on a des doubles bretelles fines comme ceci qui se croisent en fait dans le dos. Elle est trop mignonne. Donc là, c'est une petite robe évasée. Je l'ai pas encore essayée celle-ci, mais ça se voit que c'est le genre de robe qui affine un petit peu la taille et qui est assez flatteuse. Donc hâte de voir ça. Sinon, elle est non doublée. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 19,99€. Ensuite, j'ai pris cette robe-ci. Pareil, j'aurais jamais pris ça. C'est une robe zébrée rouge et rose. Mais je sais pas, encore une fois, je la trouvais mignonne, donc à voir porter. Donc là, on a une petite ouverture au niveau du décolleté qui est réglable. Et là, en fait, ces petites lanières-là, on doit les nouer autour du cou. Au niveau des bretelles, elles sont fines et réglables. Et dans le dos, on a un joli dos nu, on a une jolie ouverture. Et pareil, on retrouve une lanière au milieu, juste ici. C'est le genre de robe bien chiante à mettre, je pense. Sinon, elle est mi-longue et elle est évasée dans le bas. Celle-ci, je l'ai prise en taille XS et elle coûte 29,99€. Le prochain article, c'est ce t-shirt assez simple qui existe en 7 coloris avec différents motifs. Donc là, une coupe très basique, col rond, manche courte, coupe droite. Et je l'ai pris avec un short que je vais vous montrer juste après. Je me suis dit que pour une tenue toute simple, assez décontractée, ça pourrait faire sympa. Et j'aimais bien les couleurs. Donc celui-ci, je l'ai pris en taille S et il coûte 9,99€. Donc c'était avec ce petit short là que je me suis dit que le t-shirt serait sympa, même si en vrai on est d'accord que ça va avec tout. J'ai pris ce short en denim qui existe également en bleu, enfin en couleur jean. Celui-ci est taille haute, on a deux poches plaquées à l'avant et c'est un short taille haute quoi. Y a pas grand chose à dire. Donc ce short, je l'ai pris en taille 34 et il coûte 24,99€. Ensuite on a cette mini jupe couleur orange qui existe en 3 coloris il me semble. Au niveau du tissu, c'est de la crêpe de coton tissé, elle est vraiment très très jolie. Sur le devant, on a un côté un petit peu retroussé avec une toute petite fente. Au niveau de la taille, c'est une taille normale, enfin je veux dire qu'elle est pas taille haute. Elle m'a l'air quand même assez courte, donc à voir porter. On a une petite fermeture sur le côté. Je l'ai prise en taille XS et elle coûte 19,99€. Encore un ensemble. Pour le haut... Pour le haut, on a ce crop top en crochet. D'ailleurs, l'ensemble existe également en marron. Donc là, oui, on a du crochet en fait sur tout le top. Juste ici, on a des lanières à nouer autour du cou. Et on a un dos nu. Franchement, porté, il est très joli. Donc là, on a cette petite lanière encore une fois à nouer dans le bas du dos. Ma voix n'arrête pas de faire des montagnes russes, mais j'ai trop mal à la gorge. Désolée. Sinon, il est doublé. Je l'ai pris en taille XS et il coûte 14,99€. Et en bas, on a cette jupe mi-longue qui arrive à peu près mi-mollet. Je pense que vous le voyez, mais en fait elle est doublée partiellement, donc elle est doublée à peu près jusqu'ici. On a une taille élastique, une fermeture sur le côté. L'ensemble fait très ensemble de plage, ça fait vraiment vacances, je le trouve trop joli. Et donc la jupe, je l'ai également prise en XS et elle coûte 19,99€. Et le dernier article, c'est ça. C'est une paire de tongs à giga plateforme. J'ai regardé sur le site, la plateforme fait 5,5 cm. Donc si vous êtes petite, j'ai trouvé les tongs parfaites. Donc là, l'originalité forcément, c'est la grosse plateforme. Elles existent également en noir. Et sur le dessus, on a cette grosse bride tissée comme ça. Franchement, je les trouve très jolies. C'était surtout de la curiosité, j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça donnait porter. Et j'aime bien. C'est pas au goût de tout le monde, mais j'aime bien. Donc celle-ci, je les ai prises en taille 38, qui est ma taille habituelle, et elle
elle taille très très bien et elle coûte 19,99€. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. Je me suis un petit peu moins attardée sur les articles que d'habitude, mais comme il y en avait pas mal, j'avais pas envie que ça soit trop long pour vous. En tout cas, comme d'habitude, trop contente de mes trouvailles et trop hâte de vous faire des tenues avec. Surtout que là, franchement, ça respire l'été. Même si là, je vais vous montrer le ciel actuellement dehors, c'est pas trop ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait les soldes et si vous avez trouvé des pépites un petit peu. Et surtout où, comme ça j'irai faire un tour aussi, parce que niveau soldes, j'avoue que j'ai pas trouvé grand chose. Donc voilà, encore une fois, tous les liens sont mis en barre d'informations. Merci d'avoir regardé ce haul jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais un lookbook pour la semaine prochaine, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. Bisous!